Bon. Voilà, donc on est de retour. C'est mon grand plaisir. Pardon, pour qui j'ai compris là. Ouais. Voilà, donc c'est mon grand plaisir d'introduire Boban Berikovic. Il est professeur à l'Université de Paris, ou Paris 7, si vous voulez, à l'équipe de logique. Il est là, il est un collègue de René, il est là depuis très longtemps, maintenant peut-être 25 ans. Boban est aussi, comme je disais aujourd'hui, il fait partie de cette famille qui provient de Wisconsin Madison, de notre directeur de thèse, Ken Poonen, qui était là pour tous nous trois. Il était directeur de thèse de Rahman, qui a exposé aujourd'hui. Et Boban, il a fait beaucoup de choses dans des domaines différents dans la théorie des ensembles. Il est surtout connu pour son travail dans les axiomes de forcing, mais il a fait beaucoup sur la théorie des jeux, ce qui entre en fait dans les certaines preuves forcing. Il a fait des choses dans la théorie destructive des ensembles, dans la théorie des mesures, donc il a vraiment un parcours très riche. Il était, avant de venir en France, il était professeur à Carnegie Mellon University et avant ça, postdoc à Berkeley. Il est un éducateur, il est professeur, il a eu plusieurs étudiants en thèse. La grande majorité sont devenus à leur tour chercheurs comme Matteo Viale, Laura Fontanella, Giorgio Venturi et d'autres, Rahman dont on a parler aujourd'hui. Donc, c'est toujours une grande inspiration pour moi d'être en compagnie de Boban, de parler des mathématiques, de sa vision des choses. Il est toujours au courant des dernières nouvelles dans tout. Voilà, j'espère que vous allez partager ce plaisir que j'ai d'écouter. Merci Boban. Okay, merci beaucoup, Myrna, c'est super gentil. Et merci pour cette occasion de parler à ce séminaire. C'est un exercice pas facile pour nous, donc je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, quand même de vous dire des choses peut-être nouvelles. Je vais parler de la théorie des jeux en mathématiques. Alors, la théorie des jeux, en fait, on considère que ça fait partie de l'économie. Les sciences économiques, mais il y a aussi, c'est une théorie mathématique économique, appliquée à l'économie, si on veut. Et on va voir qu'est-ce que ça a à voir avec les questions d'indépendance. Et moi, j'ai pris comme sujet de cette journée aujourd'hui, la question d'indépendance au sens logique. Donc, un énoncé indépendant d'une théorie, si la théorie ne décide pas, ne démontre ni l'énoncé ni sa négation. Alors que je vois que Andrés a parlé d'une autre vision de l'indépendance. Moi, je vais me concentrer sur cette question d'indépendance. Vous connaissez le théorème de Gödel, je vais le rappeler. Et puis, comment on essaie de le dépasser? Comment on résout la question d'indépendance? On ne peut pas résoudre purement mathématiquement. Donc, il y a une partie de philosophie derrière. La théorie des jeux entre, en fait, apporte quelque chose, apporte une façon de compléter en moins une partie de la théorie des ensembles. OK, donc, je vais commencer par... J'ai mis beaucoup d'images de bandes dessinées et... pour ne pas vous ennuyer. Donc, la première partie, c'est juste l'histoire abrégée, très, très brève de la théorie des ensembles, qui commence avec Georg Cantor dans la deuxième partie du 19e siècle, quand il a défini les nombres cardinaux, ordinaux, l'arithmétique, etc. Les dessins viennent d'un livre
que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien à la fin, Logic Comics, qui est très marrant, mais qui en fait raconte une histoire sérieuse des questions logiques. Donc, l'affaire de Cantor, bah, c'est pas... parce que la question de l'infini a toujours posé problème. Ça a inspiré des gens et ça a causé des controverses. Et même aujourd'hui, je pense que vous parlez aux mathématiciens, ils refusent, même s'ils travaillent avec l'infini, ils refusent l'infini. Ils disent que l'infini n'existe pas, mais on travaille. Donc, en fait, cette question a été tranchée. Ce qui est marrant, c'est que je vois les mêmes discussions qui ont eu lieu il y a un siècle, quand Hilbert a proposé son programme pour... d'une certaine manière, montrer que l'infini est une fiction utile, si je peux dire, et que ce programme a échoué par le théorème de Gödel, mais les gens l'oublient et continuent. Donc, il y a quelque chose. Bon, bref, c'est l'affaire de Cantor qui est, d'une certaine manière, toujours, en fait, présente. Alors, la notion, enfin, ça, vous allez me dire, c'est très, très basique, mais... l'idée de comparer deux ensembles sans compter les éléments de... Vous avez deux ensembles X et Y et vous voulez les comparer, ben vous pouvez compter combien d'éléments il y a dans X, combien d'éléments il y a dans Y, et puis vous comparez. Mais il y a une autre façon. Si vous entrez dans un bus avec des sièges et des passagers, et tous les sièges sont pris et il n'y a aucun passager debout, vous n'avez pas besoin de compter. Vous voyez immédiatement qu'il y a le même nombre de passagers que de sièges. Donc, c'est l'idée de mettre deux ensembles en bijection. Donc, vous mettez en bijection un passager avec le siège sur lequel il est assis. Et donc, s'il y a une injection de X dans Y, c'est le dessin à gauche, bah, on dit que X a moins d'éléments que Y, ou au moins, et où Y a au plus, au moins autant d'éléments que X, et l'autre dessin, c'est la bijection. Donc, la différence, c'est en fait ce que ça apporte, cette vision, pour les ensembles infinis, ce n'est pas super intéressant, mais ça nous permet de comparer les ensembles infinis. Et c'était l'idée de Cantor. Et donc, ce sont des trucs très classiques, mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'on peut définir des ensembles infinis en disant qu'il y a une injection de X. X est infini s'il y a une injection de X dans X qui n'est pas une bijection. C'est-à-dire qu'il y a une bijection entre X et X privé, par exemple, X privé d'un point. Moralement, si vous êtes sur une plage, et vous regardez le sable. Vous enlevez un grain de sable, il reste autant de sable qu'avant, moralement, pas formellement, mais donc on peut dire que la quantité de sable est infinie, émotivement, pas mathématiquement. Donc l'idée est la même, mais bon, là on fait une définition mathématique. Donc le plus petit infini, c'est l'ensemble des entiers, n, que nous en logique on appelle oméga. Et donc, après, il y a un certain nombre de propriétés des ensembles dénombrables que vous connaissez sûrement, qu'une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables et dénombrables, etc. Je ne vais pas trop passer trop de temps là-dessus. Donc, ce sont les propositions établies par Cantor. Et la première question, il a montré que l'ensemble des réels est non dénombrable, donc il y a plus de réels que des entiers. Et la question naturelle qui s'est posée, est-ce qu'il y a des ensembles intermédiaires entre N et R? N, c'est l'ensemble des entiers, R, c'est l'ensemble des réels. Donc ça, c'est l'hypothèse du continu que vous connaissez, qui est le premier problème de la célèbre liste de Hilbert du Congrès international des mathématiciens en 1900, qui a eu lieu à Paris. Donc, c'était la proposition des 23 problèmes pour le 20e siècle. Maintenant, on est au 21e siècle, on peut dire qu'on n'a toujours pas résolu le problème, mais on
enfin, on a avancé quand même. OK. Il y a eu une crise des fondements de mathématiques, donc c'était à la fin du 19e, au début du 20e siècle, où il y a un certain nombre de paradoxes qui ont été formulés, notamment le paradoxe de Russell, que vous connaissez sûrement. Intuitivement, à l'époque, avant Russell, un ensemble, c'est quoi? Ben, c'est, vous me donnez une propriété et je rassemble tous les objets dans mon univers de qui ont cette propriété-là et j'appelle ça un ensemble. C'était ça l'idée intuitive. Alors, si on veut le formaliser, il y a un problème. Et c'est le paradoxe de Russell qui dit que, en fait, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut... Donc, si vous prenez l'ensemble des ensembles qui ne conviennent pas eux-mêmes, ce n'est pas un ensemble. C'est-à-dire, là, c'est, cette collection n'est pas parce qu'elle elle appartient à elle-même, si et seulement si elle n'appartient pas à elle-même. Donc, c'était le célèbre paradoxe de Russell. Il y a eu d'autres paradoxes. J'ai mentionné le paradoxe de Berry. On prend le plus petit entier qui n'est pas définissable en une expression qui a au plus 20 mots ou d'une longueur fixe. Comme il n'y a qu'un nombre fini d'expressions de cette longueur, il y a un nombre fini d'entiers qu'on peut définir. Les entiers sont infinis, il y a un plus petit entier qui n'est pas définissable, mais on vient de le définir. OK, donc ça, vous connaissez tous ces paradoxes-là. Donc, ça a provoqué une crise de fondement. On n'était pas sûr si on était sur les bonnes bases. Et donc, la question naturelle était à formuler les... Ah, j'ai un dessin aussi. Je n'ai pas mis la photo de Russell. Donc, l'infini est un peu dangereux, si on ne s'en sert pas bien. Donc, l'idée, c'était un projet au début du XXe siècle de formaliser les mathématiques sur des bases solides pour éviter les paradoxes, pour éviter la contradiction. Il y a eu plusieurs propositions et on peut dire que la théorie de Zermelo-Frankel est celle qui a été, disons, je ne peux pas dire choisi, mais qui est le plus accepté, disons. Bien sûr, il y a d'autres propositions. Personne ne dit qu'il faut arrêter de chercher de nouveaux fondements de mathématiques, mais c'est celle qui a été retenue, disons. Il n'y a pas eu de comité de gens, mais c'est juste par la nature des choses. Et on a montré, en principe, qu'on peut développer pratiquement toutes les mathématiques dans cette théorie-là. C'est ce qu'on appelle ZFC, Zermelo-Frankel avec l'action du choix. Et j'ai mis les axiomes, au cas où vous ne les avez pas vus, ce n'est pas super important. L'idée est que, on a une certaine intuition de ce que c'est qu'un ensemble. Un ensemble est donné par ses éléments. Donc, deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes éléments. Et après, il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut faire sur les ensembles pour créer de nouveaux ensembles. Comme on a vu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, là, il y a une liste. C'est, en fait, une liste est infinie. Infinie, mais il y a des schémas, des axiomes schémas. Par exemple, regardez ici, c'est pour une propriété donc, qui est donnée. Si on veut formaliser ces théories en premier ordre, c'est donc donné par une formule, etc. OK, donc ça, c'est les axiomes de la théorie des ensembles. Mais, évidemment, il y a le théorème de Gödel, qui date de 1931, si je ne me trompe pas. Rahman en a parlé, qui dit que, en fait, quelle que soit la théorie qui essaye de formaliser les mathématiques, si elle est suffisamment riche et si les axiomes sont
si la théorie est calculable, dans le sens que s'il y a un algorithme qui reconnaît si une formule est un axiome ou pas. Comme Rahman a dit tout à l'heure, on peut toujours compléter, prendre la... Mais le problème est que, OK, on peut compléter la théorie ZFC en une théorie complète, mais on ne pourra pas reconnaître. Si vous me donnez une formule, je ne saurai pas si c'est un axiome ou pas. Donc, d'une certaine manière, du point de vue de fondement des mathématiques, ce genre de théories complètes sont inutiles parce qu'on ne les connaît pas. On sait qu'elles existent, mais on ne peut pas les reconnaître. Donc, le théorème de Gödel, il met fin, à mon avis, au programme de Hilbert, on n'en parle pas. Enfin, je ne sais pas bien ce que tu en penses, mais il a mis fin et les gens n'ont pas... qu'en fait, l'infini est nécessaire. Nécessaire, même si on veut, si on s'intéresse uniquement aux objets finis. Je ne sais pas quoi dire. C'est, en fait, ça rend les choses plus intéressantes si on est logicien. C'est... OK. Ça met, excuse-moi, quand tu vas demander votre opinion, ça met la fin à Gödel parce que ça ne montre pas automatisé, mais aussi aux autres, comme tu le dis, qui voulaient faire que les objets finis. Donc, ça met la fin dans deux sens de la guerre qui était entre Hitler et Kronecker, par exemple, les deux sont finis par Gödel. Mais bizarrement, la guerre n'est pas vraiment finie. Enfin, la guerre est finie, logiquement, elle est finie, mais les gens continuent comme s'il n'y a pas eu de théorème d'incomplétude. Parce que la guerre est infinie aussi. La guerre est infinie, exact. Il y a la guerre entre ceux qui pensent qu'il y a la guerre et ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. C'est, hein? OK. Mon exposé n'est pas très sérieux. Je parle des choses sérieuses, mais j'essaie de le rendre un peu moins... Bon, quand on va... et il se trouve que l'hypothèse du continu de Cantor est l'un des énoncés indécidables. Donc, ce n'est pas seulement que il existe les énoncés indécidables, mais c'est qu'il y a des énoncés naturels qui sont indécidables dans la théorie. Dans la théorie, il y a d'autres théories, hein, comme par exemple l'arithmétique de Peano qui essaye de formaliser les entiers et pour laquelle il y a des énoncés combinatoires. Quelqu'un a mentionné ce matin, peut-être toi, non? Quelqu'un dit il y a des énoncés combinatoires indécidable dans la théorie de Pérou. Ah oui, quelqu'un qui a intervenu. Oui, c'est tout là, c'est une question au sujet de l'octave globale. OK, donc, bon, tout ça, c'est des choses connues. Et je voulais juste, c'est une occasion de mettre la photo de Cohen. La méthode de forcing de Paul Cohen est particulièrement puissante et utilisée pour démontrer l'indépendance de plein d'énoncés en théorie des ensembles, mais pas seulement, aussi en d'autres domaines de mathématiques. Et Rahman en a parlé, mais je ne vais pas en parler beaucoup dans cet exposé, parce que je vais me concentrer sur une autre façon de compléter la théorie ZFC. C'est-à-dire par les jeux. Je voulais dire que suite à ces résultats, il y a Gödel qui a formulé un programme dont le but est de compléter la théorie ZFC en rajoutant des axiomes. Il faut dire qu'on ne peut pas, par le théorème d'incomplétude, on ne peut pas faire une seule théorie, mais on peut imaginer une sorte de hiérarchie de théories de plus en plus forte qui décide les questions qui nous intéressent. Donc, il n'a pas dit qu'il y a une seule théorie. Et en fait, il y a une hiérarchie naturelle, et d'ailleurs, c'est ce que Gödel a proposé comme façon de compléter, donc c'est de dépasser l'indépendance, c'est de rajouter des actions des grands cardinaux qui parlent des objets énormes, qu'on ne voit pas dans les mathématiques courantes, pas, presque pas, sauf si on voit les univers de Grothendieck,
c'est des grands cardinaux, c'est des cardinaux inaccessibles. Mais les cardinaux inaccessibles, c'est les plus petits grands cardinaux. Donc, il existe des cardinaux beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, a priori, ce ne sont pas des objets énormes et que ça n'a pas grand-chose à voir avec les mathématiciens s'intéressent aux entiers, aux réels, les fonctions de réels dans le réel, etc. Donc, très bas dans la hiérarchie ensembliste. Alors, il se trouve qu'il y a, en fait, des implications directes entre ces très, très grands cardinaux et des questions des réels, des nombres réels, et c'est ce dont nous allons parler. Donc, même si c'est des objets énormes, ils ont une influence sur les objets courants. OK, là, c'est un rappel, peut-être je vais le sauter parce que c'est très élémentaire, ou je ne sais pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est des ordinaux? On peut sauter. Les ordinaux, je voulais juste dire, OK, là, j'ai des exemples d'ordinaux, on s'en fiche, cardinaux, l'hiérarchie cumulative. Est-ce que vous connaissez l'hiérarchie? Donc là, c'est une tentative de dessin. Il a un seul dessin en théorie des ensembles. C'est le, toujours le même. C'est la hiérarchie cumulative. Donc, on construit les V alpha par récurrence en itérant l'ensemble des parties. Donc, ça, c'est la définition. On commence avec l'ensemble vide. Tout est construit à partir du vide. Alors, c'est une façon de voir les choses. Il n'y a que de vide. Et donc, ce que je dis, c'est en fait, la théorie des essais formalise les propriétés intuitives de V. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est l'inverse. C'est qu'une fois quand on a les axiomes de ZFC, on peut dire que l'univers a cette forme-là. Mais bon, ou on peut tourner les choses d'une autre manière. OK, peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est maintenant le programme de Gödel, on peut le voir comme on a cette hiérarchie cumulative, donc l'itération de l'ensemble des parties, le V alpha, et on veut décider, donc on sait que la théorie ZFC ne décide pas complètement, par exemple, elle ne décide pas l'hypothèse continue, mais il y a plein d'autres questions. Mais on veut monter dans cette hiérarchie et rajouter des axiomes qui décident au moins empiriquement, si je peux dire, ou modulo des grands cardinaux, modulo des questions de consistance, décident les théories des V oméga. Oh, OK, V oméga, c'est les ensembles finis. Donc, ça, c'est les entiers essentiellement. C'est le premier cas, c'est V oméga plus 1. Donc, vous avez les entiers et vous avez toutes les parties des entiers, tous les sous-ensembles d'entiers. Et puis, V oméga plus 2, V oméga plus 3, etc. Et donc, moi, je vais me concentrer sur la théorie de V oméga plus 1, ce qui correspond à l'arithmétique du second ordre. C'est-à-dire, vous avez V oméga, c'est moralement les entiers, il y a une bijection naturel, et V oméga plus 1, c'est tous les sous-ensembles de V oméga, donc c'est tous les sous-ensembles des entiers. Et ça correspond à l'arithmétique du second ordre. Donc, on veut décider, au moins, alors la question c'est décider dans quel sens, parce qu'il y a toujours le théorème de Gödel, donc on veut au moins une théorie qui est empiriquement complète. Alors, on va entrer dans cette... OK, donc, c'était mon introduction, c'est vraiment une histoire très schématique, très, très courte, raccourcie de la théorie des ensembles. OK, donc maintenant je entre dans le vif du sujet et je change un peu de registre, je parle des jeux. Alors, la théorie des jeux, donc on le voit comme moi je dis que c'est un domaine des mathématiques, les économistes disent que c'est un domaine d'économie, il y a des gens qui disent quelque chose aussi. Alors quand on parle des jeux, les gens disent j'aime pas jouer, j'aime pas les jeux, mais c'est une façon de présenter les choses.
OK. Donc, la théorie, les bases ont été posées par Ernst Zermelo, donc c'est le même Zermelo, et le français Émile Borel. Mais on dit que les vrais pères fondateurs de la théorie des jeux sont Oscar Morgenstern et John von Neumann. On a vu John von Neumann dans l'expo précédent. Je crois que c'est même la même photo, sauf que la mienne est en couleur. On a rajouté des couleurs. Ouais. OK. Les jeux, c'est en fait, on sait tous que c'est des jeux, mais on va essayer de formaliser et on va regarder les jeux infinis. Mais je commence par les jeux finis. Je vais jusqu'à quand? 16 ans. Ça a commencé à 15h05. Ouais, ok. Et toi, il est à 16h30. Ok, donc on a de la marge. Ok, donc j'ai une démonstration dans mon exposé. C'est une règle. Tout exposé mathématique doit contenir au moins une démonstration. Alors, il y a plein de jeux possibles. Les jeux, ce que nous allons regarder, c'est uniquement des jeux à deux joueurs. Donc, on peut imaginer des jeux à plusieurs joueurs. Et nos jeux sont à information parfaite. Ça veut dire que je sais exactement, c'est par exemple l'échec. Mais l'échec a des matchs nuls. Donc, l'échec, sauf si vous déclarez que si le match nul, c'est le noir qui gagne, par exemple. Mais poker par exemple, c'est pas un jeu information parfaite. Donc il y a des jeux information imparfaite. Et il y a donc en général en théorie des jeux, on s'intéresse à des jeux à plusieurs joueurs avec des fonctions de gain, etc., etc. Nous allons regarder uniquement des jeux à deux joueurs qui jouent alternativement l'un l'autre, etc. Et le jeu, on peut le décrire par un arbre. Et en fait, c'est l'arbre des positions. Les nœuds sont des positions et ils sont reliés. Les arêtes de votre arbre correspondent au mouvement dans le jeu. Et chaque feuille représente un match complet. C'est-à-dire, on a terminé le match. Le jeu est terminé et on dit, OK, c'est le noir qui a gagné ou c'est le blanc qui a gagné. Donc, on peut dire, on étiquette cette feuille par le joueur qui gagne ce match. Donc, là, c'est le jeu de tic-tac-toe. J'ai essayé de faire un arbre. Il n'est pas complet. Mais vous voyez, c'est la position initiale. Et le joueur croix, je ne sais pas comment on l'appelle, peut jouer, donc il a 9 coups possibles. Donc normalement, il devait avoir 9 nœuds ici, il n'y en a que 3. Et pour chaque, etc. Donc vous voyez, donc, quel que soit le jeu, au moins s'il y a deux joueurs et si le jeu est à information parfaite, vous pouvez le représenter par un arbre de cette forme-là. Donc, il y a une autre façon de voir les jeux, c'est de les écrire. Donc, on se donne un ensemble X, c'est l'ensemble des positions. Et on peut dire que les deux joueurs jouent des éléments de X. Donc, le joueur 1 joue un X0, jeu 2 joue Y0, X1, Y1, etc. Donc, il crée une suite de positions. Il obtient donc une suite de longueur 2n. Et on dit que... Et donc, il y a un ensemble de gains A. Ce sont les jeux, les matchs qui ont été gagnés par 1. Donc, on déclare. C'est une autre façon. Donc là, j'ai un exemple d'un match d'échecs. C'est le plus court que j'ai trouvé avec un mat. Peu importe. Donc, on peut représenter les jeux par
suite de coups joués par un joueur et l'autre, l'un joueur, donc par les deux joueurs. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi une stratégie? Une stratégie, donc, pour le joueur 1, par exemple, c'est une règle qui lui dit comment jouer à chaque étape. Formellement, donc, c'est une fonction qui part des positions de... C'est le joueur 1 joue quand la longueur de, est pair. Hein, il y a un impair de coups joués. Et c'est maintenant au joueur 1 de jouer. Donc, la fonction sigma lui dit. Donc, sigma doit lui dire pour toute position légale où c'est au joueur 1 de jouer, c'est sigma lui dit quoi faire. Et donc, c'est une fonction qui associe à donc, toutes les positions de longueur paire un élément de x. Et une stratégie pour le joueur 2, c'est analogue, donc c'est une fonction qui va des positions de longueur paire. Et on dit que la stratégie sigma est gagnante pour 1, bah, vous le savez, mais on doit formaliser ça parce qu'on va généraliser au jeu infini. Une stratégie est gagnante pour le joueur 1 si je suis cette règle, je suis sûr de gagner quoi qu'il fasse l'autre joueur. Et le jeu est déterminé si l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante. Il n'est pas évident qu'il y a toujours un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante. D'ailleurs, c'est la question qui va nous intéresser. Mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux des stratégies gagnantes parce qu'on fait jouer l'une stratégie contre l'autre. Il y a un match qu'ils produisent et il est gagné par l'un ou l'autre. Il n'y a pas de match nul. Donc, ils ne peuvent pas avoir tous les deux des stratégies gagnantes, mais il se peut qu'il n'y en a aucun des joueurs a une stratégie gagnante. Alors, eh bien non. Pour les jeux de longueur fixe finie, et ça c'est ma seule démonstration, mais en fait elle est tout à fait triviale si on l'écrit comme ça. C'est long, mais en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Le théorème de Morgenstern von Neumann. Dans ce cas-là, donc, les jeux de longueur finie à information parfaite sont déterminés. C'est l'un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante, à coup sûr. On ne sait pas lequel des deux, mais au moins un, exactement un, a une stratégie gagnante. Après, il y a des jeux plus complexes, à plusieurs joueurs, avec des fonctions de gain. Il y a le théorème de Nash, qui lui a valu le prix Nobel. Il a eu trois prix, je crois, avec deux papiers, il a eu trois prix. Enfin, un truc incroyable. Bref, je vous fais la démonstration de ce théorème. En fait, il suffit d'écrire en langage mathématique ce que ça veut dire que le joueur 1 a une stratégie gagnante. Il y a un coup x0 que moi, je suis le joueur 1, je joue les x. Il y a un x0 que je peux jouer tel que quoi qu'il fasse l'autre joueur, quel que soit y0, j'ai un coup que je peux jouer tel que pour tout y1, etc., etc. Je suis sûr que la suite finale appartient à A. Donc, c'est la première ligne dit que le joueur 1 a une stratégie gagnante, mais écrit de manière formelle, en logique de première ordre. Et donc, maintenant, je prends la négation. Si le joueur 1 n'a pas de stratégie gagnante, ben, je fais la négation. Et je entre. Non, il existe x0, c'est pour tout x0, non, etc. Ceux qui ont fait la logique de base savent comment faire. Et donc, j'entre avec la négation dedans. Et finalement, vous voyez ce qui se passe, c'est pour tout x0, il y a un y0, pour tout x1, il y a un y. Donc, quel que soit le coup du joueur, du joueur 1, il y a une réponse du joueur 2, quel que soit le coup du joueur 1, etc. Tel que, à la fin, la suite n'est pas dans A. Ça veut dire que c'est le joueur 2 qui gagne. Donc, la première ligne, c'est le joueur 1 a une stratégie gagnante. La dernière ligne, c'est le joueur 2 a une stratégie gagnante.
Donc, si vous voulez, c'est... La façon de représenter la preuve. Comment? La façon de représenter la preuve, c'est que la haine, elle est connue. Oui, la haine est connue. Donc, oui. Donc, si vous voulez, c'est bien. Non, c'est pour un n fixe. Si le jeu est de longueur n, de longueur 2n, parce que... l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante. Ça ne veut pas dire qu'on sait qui. Par exemple, si vous jouez au... Il y a quoi? Quels sont les jeux? OK, je ne veux pas parler d'échecs parce qu'il y a le match nul, mais en Go, il n'y a pas de match nul. Au tic-tac-toe, c'est facile. Hein? Mais j'ai deux exemples de jeux qui sont faciles, que même les enfants, et on peut les acheter au magasin. OK. Le premier jeu, c'est le jeu de la barre de chocolat. On ne peut pas l'acheter en magasin. On peut acheter une barre de chocolat. Mais c'est le jeu, je vais vous montrer parce que c'est très simple. Vous avez une barre de chocolat, n fois n. Et il y a une, je ne sais pas si vous voyez le premier carré en haut, à gauche. Il est empoisonné. Empoisonné. Et donc, les deux joueurs, ils mangent du chocolat. Quand vous prenez un carré, vous prenez tout ce qui est à droite et en bas, vers le bas. Donc, si par exemple, je prends ce carré-là, je suis obligé de prendre celui qui est en bas. Donc, on coupe des morceaux de la barre et chaque fois, on est obligé de manger au moins un carré. Mais on essaie d'éviter de manger le dernier, hein, parce que là, on est mort. Et donc, celui qui mange le dernier, il perd. Le jeu est fini. Ça dépend de... Parce qu'à chaque fois, on est obligé de faire quelque chose, de manger un bout de chocolat. Et donc, le jeu est fini et donc le jeu est déterminé. Et donc, l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante. La question, lequel? La réponse, bizarrement, c'est toujours... sauf, évidemment, s'il n'y a qu'un seul cas. Si c'est un croix un, il n'a pas de choix, il doit manger le pauvre, il est mort. Mais s'il y a plus de 1 fois 1, c'est toujours le joueur 1 qui a une stratégie gagnante. Et vous voyez pourquoi. S'il n'y a qu'une ligne, si j'ai... Ah, s'il n'y a qu'une seule ligne, je mange tout sauf le premier carré et je te laisse manger. Tu es obligé de manger à droite. Ouais. Mange. Donc, tu as c'est la barre. Si tu prends ça, tu dois manger tout ça. Okay. Non, mais celui qui t'a posé, c'est en haut à gauche. Ouais, celui-là. Je croyais que c'était en haut à droite. Alors... Ah non. Donc, c'est terminé un coup. OK, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est toujours le joueur 1 qui a une stratégie gagnante, mais on n'est pas là. On connaît la stratégie dans le cas où. Je vais vous dire la stratégie si c'est la barre n fois n. Est-ce qu'il y a des effaceurs? Non, mais on va prendre un truc de chiffre là. Non, mais prends. Parce que moi, tant pis, ouais, prends ça. Ouais. On n'a pas le choix. Si la barre est carrée, en fait, le joueur 1, il va manger tout ça. Pardon, j'ai inversé. Non, je peux pas. Il va manger tout ça. En fait, pourquoi peut-être pour te voir là. OK, mais là, ils ne vont pas me voir, mais... Ah, je dois vous... On te voit. Quand tu es là, on te voit. Non, mais... Ils voient le dessin. Non, il faut toujours être plus... Non, plus au milieu, je crois. Plus au milieu. C'est pas très important, c'est juste pour s'amuser. Oui, il n'y a pas de raison que ceux qui sont sur Zoom ne s'amusent pas non plus quand même.
Et pour prendre un chocolat, et voilà, on peut jouer. En fait, sans poisson. Ok, donc, si le chocolat est un carré, la barre est un carré, donc le joueur 1, il va manger ça, et donc il va prendre tout ça. Et il reste. Pourquoi est-ce qu'il gagne? Parce que c'est symétrique. Si le joueur 2, il va faire, il va choisir, je ne sais pas ça, il va choisir. Donc, c'est toujours symétrique ce qui reste. C'est toujours le joueur 2 qui doit casser la symétrie. C'est dans le cas où, oui. Il y a le jeu de Nîmes, mais il est facile. Pour le jeu de Nîmes, on connaît la stratégie. Pourquoi c'est le joueur 1 qui gagne? Parce que par le théorème de Morgenstern von Neumann, l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante. Et au lieu de montrer que 1 a une stratégie gagnante, on va montrer que 2 n'a pas de stratégie gagnante. On va lui voler sa stratégie. C'est-à-dire, si c'est le joueur 2 qui a une stratégie gagnante, moi, je vais jouer comme joueur, le joueur 1 et je vais jouer ça. Et donc, le joueur 2 va répondre. Il va mettre, ah, ben moi, j'ai ma stratégie gagnante, donc je fais, je ne sais pas quoi. Je prends ça, etc. Mais moi, je reviens, parce que lui, il a une stratégie gagnante. Je peux réjouer le jeu, et ben, avec cette stratégie gagnante, il doit me battre à coup sûr. Mais maintenant, je sais ce qu'il a joué. Donc, en fait, je joue sur deux tables. Deux barres de chocolat et je fais le premier coup ici, je fais ça, je regarde sa réponse et je recopie sa réponse ici. Et ça, c'est mon premier coup. Et je regarde ce qu'il fait. Et donc, c'est une question de, je joue sur deux tables, mais je suis sûr que c'est comme si vous jouez aux échecs contre, c'est qui le champion du monde aujourd'hui? Pour moi, c'était Karpov et... Non, c'était Fischer. Non, c'est pour dire quel âge Fischer et Spassky. Avant, je n'ai pas suivi, mais Fischer et Spassky, vous êtes sûr d'avoir gagné. Si vous jouez blanc contre l'un et noir contre l'autre, vous récopiez, vous êtes sûr d'avoir au moins un point sur deux. Donc ici, vous jouez sur deux tables et vous êtes. Et le match ici, il est le même qu'ici, sauf que vous avez changé de rôle. Ici, vous êtes le joueur 1, ici, vous êtes le joueur 2, ou la mère, je ne sais pas. Donc, vous recopiez les coups du joueur 2 ici comme vos premiers coups ici. Donc, vous gagnez sur l'une des deux tables, mais comme donc ce n'est pas une stratégie gagnante. Une stratégie gagnante gagne contre tous les coups de l'autre joueur. OK, donc ça, c'est amusant. Il y a un autre exemple... Ah, je voulais dire, donc, dans le cas général, on ne sait pas. Et même ça s'applique si, au lieu de barre de chocolat, vous avez, de dimension 2, vous pouvez parler de dimension 3, vous pouvez généraliser aux ordres partiels, etc. S'il y a un élément maximal dans votre ordre partiel, qui est le cas ici, c'est toujours le joueur 1 qui gagne. Mais en général, on ne sait pas, on ne connaît pas les stratégies. Et c'est... On peut essayer de trouver par un ordinateur, mais si les NM sont très grands, ça ne va pas marcher. Il y a le jeu de Hex. Vous connaissez ce jeu? Il se joue sur un tablier en forme de losange avec des petits hexagones. Il y a deux joueurs, le rouge et le bleu. Et le rouge essaye de relier les côtés rouges en haut et en bas par un chemin rouge, et le bleu essaie de relier le côté gauche et le côté droite par un chemin bleu. Donc, ils mettent des pions, enfin, je ne sais pas, ils occupent des cases, des petits hexagones. Et il y a un théorème, essentiellement un théorème de point fixe, qui dit que quand on remplit le tablier par... donc on colorie les hexagones en rouge ou en bleu,
il y a forcément un chemin qui relie les côtés bleus ou un chemin qui relie les côtés rouges, mais pas les deux. Évidemment, parce qu'ils doivent se croiser le chemin. Mais il y a au moins un chemin. Et donc, ce jeu-là, il était proposé par Nash, je crois, et même on peut l'acheter dans le magasin. Et dans ce jeu-là, en fait, le jeu est fini, et c'est toujours le joueur 1 qui a une stratégie gagnante, parce que vous faites pareil, hein, comme on a fait pour le jeu de chocolat. Vous dites que si... Donc, si le joueur 2 a une stratégie gagnante, en fait, le joueur 1 peut simuler le coup du joueur 2 je fais semblant que mon premier coup, c'est quelque chose. Qu'est-ce que la stratégie du joueur 2 répondrait? Et je joue ça, etc. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Donc, bref, on connaît qu'il y a une stratégie. On sait qu'il y a une stratégie gagnante pour le joueur 1. On sait la calculer si le tablier n'est pas trop grand. 9 fois 9, c'est ce que j'ai trouvé, mais bon, peut-être on peut faire un peu mieux. Mais on ne sait pas le calculer en général. Donc ça, c'est une question. On sait qu'il y a une stratégie gagnante, mais on ne sait pas, on ne la connaît pas. Quand tu dis uniquement, ça veut dire que c'est vraiment le maximum? Non, ok, c'est pas bien, j'ai pas bien dit. Donc, on le sait pour les entiers qui sont pas trop grands, on peut le calculer. Parce que, apparemment, moi, je n'ai pas fait le calcul, je ne suis pas entré dans les détails. Donc, pour les tabliers qui sont pas trop grands, qui sont de taille O plus 9 fois 9, il y a une stratégie. Si tu peux jouer contre un ordinateur, il va te battre. Hein? Enlever le mot uniquement. Ah! Il y a une stratégie connue, on connaît. Oui, oui, tu as raison. Bon, bref. Ça, c'était juste pour rigoler un peu. Donc, on continue. Maintenant, on passe au jeu infini, proposé par David Gehler, F.M. Stewart. Et je n'ai pas trouvé la photo de Stewart. Personne, il n'existe pas. Cette personne n'a jamais existé. Juste dans ce papier de Gehler Stewart, pas dans la livre. Dans le livre. Ils ont proposé d'étudier les jeux infinis. Comment on les représente? On les représente exactement de la même manière. Donc, oméga, c'est N, c'est les entiers. C'est tous les entiers. Donc, X puissance oméga, c'est donc les suites infinies d'éléments de X. Donc, on se fixe un X, un ensemble X quelconque. C'est l'ensemble des positions, mais pour nous, ça va être, comme je dis en bas, soit 0 et 1, soit l'ensemble des entiers. Ce n'est pas très important. Parce que c'est l'ensemble des positions et on fixe un ensemble A, c'est l'ensemble de gains, des suites infinies. Et donc, on définit le jeu, c'est pareil. Hein? Les deux joueurs jouent alternent les éléments de X. X0, Y0, X1, Y1. Donc, il crée une suite infinie. Et puis, on dit que le joueur 1 gagne le match si X est dans A, sinon, c'est le joueur 2 qui gagne. C'est pareil comme dans le cas fini. Il n'y a pas très... Et la notion de stratégie est définie comme dans le cas fini, sauf évidemment, c'est une fonction qui fait quoi? Qui a tout de suite de longueur. Ah, si c'est une stratégie pour le joueur, tout de suite de longueur pair, elle donne un élément de X, c'est-à-dire si on se trouve dans cette position-là, tu dois jouer ça, c'est sigma, et une stratégie est gagnante, bah, si quel que soit la réponse, quoi qu'il fasse l'autre joueur, si je suis ma stratégie, la suite infinie va être dans A. Après, c'est difficile à imaginer qu'on joue en réalité un jeu infini, mais on est en maths, donc on peut s'imaginer des choses. Donc, ils ont montré deux choses, entre autres, hein, que pour certains jeux infinis, mais fermés,
Alors, dans quel sens fermé? Qu'est-ce qu'il y a fermé? En fait, on met sur X la topologie discrète et sur X puissance omega la topologie discrète. Peu importe. Donc, en fait, on peut oublier la topologie, etc. On dit que un ensemble, une suite est dans l'ensemble F si à chaque instant, chaque segment initial, elle a une certaine propriété, elle est dans un certain arc. C'est-à-dire, si vous regardez ça en termes de jeu, si le joueur 1, il doit jouer pour ne pas perdre. S'il n'a pas perdu à une étape finie, il gagne à la fin. Ou si vous voulez, les jeux fermés sont ceux qui ont la propriété que si le joueur 2 gagne, il a gagné au bout d'un nombre fini de coups. Mais on ne sait pas combien de coups. Donc, on sait que ça sera à un moment fini. Donc après, quoi qu'il fasse, c'est déjà fini. C'est le match est décidé. Il peut s'amuser à jouer, mais le résultat est connu. Donc ce sont les jeux ouverts pour le joueur 2, fermés pour le joueur 1. Donc ils ont montré que ces jeux-là sont déterminés. Il y a un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante et je vois que j'ai une A. Il existe un ensemble A sous ensemble de 0,1 puissance oméga. Oméga n'apparaît pas ici. Donc, il y a donc, dans le cas le plus simple, où X a deux éléments, 0 et 1, il existe un ensemble A non déterminé. C'est-à-dire le jeu G de A est non déterminé, mais ils utilisent l'action du choix. OK, qui est un axiome accepté par les mathématiciens, donc il n'y a aucun problème. Sauf si vous êtes Jan Michelski et Hugo Steinhaus qui disent « Ah, très bien, on aime bien ça, on abandonne l'axiome du choix, on accepte l'axiome de détermination. » Et qu'est-ce que c'est l'axiome de détermination? Il dit que tous ces jeux-là sont déterminés. Donc, c'est une position un peu extrémiste, on peut dire, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tellement aimé cet axiome qu'ils ont dit, bah, tant pis pour l'axiome du choix. D'ailleurs, on n'aimait pas l'axiome du choix. Moi, je pense que c'est aussi, ils n'aimaient pas les gens qui utilisaient l'axiome du choix à l'époque. Mais bon, ça, c'est des ragots. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein, mais on ne va pas mettre ça sur le tout. On va couper. Hein? Chepinski. C'est possible, mais on peut demander à des gens. Bref, ils ont proposé ça comme une alternative à l'action du choix. Je ne sais pas s'ils ont. Ben, peu après la. Je crois. Dans les années, fin des années 50, début des années 60, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Mais c'était, je ne sais pas si c'était pris au sérieux, c'est, ok, on peut proposer, mais... Et il y a indépendant des autres actions. Bah déjà, il contredit l'action du choix. Donc, si on veut avoir, je vais en parler d'ailleurs, mais donc, si on veut avoir l'action de détermination, on ne va pas avoir l'action du choix. Mais il est cohérent avec les autres axiomes. Ça, on va y arriver. Mais c'était, enfin, pour moi, c'était une position assez extrémiste. Ouais. Et donc, on n'a pas vraiment pris au sérieux. Sauf que... Oui, alors, les gens ont dit, mais attendez, on va quand même... Enfin, maintenant, il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Et mais mon position est que on fait semblant, enfin, c'est-à-dire au lieu de démontrer, on va essayer de montrer que de plus en plus d'ensembles sont déterminés, c'est-à-dire plus en plus, pas tous, hein, parce que là c'est. Ou bien on se met dans un univers, on travaille pas dans tout l'univers de tous les ensembles, mais un fragment. Ça c'est une position. Donc il y a donc les gens ont commencé à s'intéresser sérieusement à ça en fait parce qu'ils ont découvert que l'action de détermination a beaucoup de conséquences sympathiques pour les propriétés des ensembles de réels qui sont
Par exemple, avec l'action du choix, vous pouvez construire des ensembles pathologiques. Le plus célèbre, c'est le paradoxe de Banach-Tarski. Vous avez une boule, vous la décomposez en un nombre fini de pièces, et par isométrie, vous en faites deux boules de la même taille. Et vous dites ça aux physiciens et ils vont vous insulter. Ils disent non, ce n'est pas possible. OK, donc avec l'action de détermination, ce genre de pathologie n'apparaît pas. D'autre part, vous perdez l'action de choix. Donc, tout ce qui est bon par l'action de choix, c'est l'existence d'une base, d'un espace vectoriel, enfin, tous les théorèmes que vous utilisez, bah, vous ne les savez pas. Donc, il faut trouver un autre moyen. OK, donc l'idée, c'était d'être plus modeste et de dire on va essayer de montrer la détermination des jeux de plus en plus. Pas tous les jeux, mais au moins les jeux qui sont définissables. C'est-à-dire l'ensemble des gars, il a une certaine définition pas trop compliquée. Et donc, ce que j'écris, ce n'est pas historiquement dans le bon ordre. C'est Tony Martin qui a montré que les jeux boréliens, alors je vous rappelle que... Dans x puissance oméga, donc c'est les suites infinies d'éléments de x, il y a la tribu engendrée par les ouverts et fermés, c'est-à-dire vous prenez les ouverts fermés, vous clôturez par les réunions dénombrables, complémentaires, etc. C'est la tribu borélienne. Et Tony Martin a montré que les jeux boréliens sont déterminés. Donc, si l'ensemble des gains n'est pas très compliqué, les jeux sont déterminés. Donc, ça va dans le bon sens. Et il a d'abord démontré un théorème plus fort. Donc, vous allez dire, comment ça démontre un théorème plus fort? Et après, il a démontré ça. Donc, en fait, historiquement, il a d'abord démontré la détermination des jeux analytiques. Et en fait, là, c'est le seul slide qui est un peu technique. Je définis les ensembles projectifs de oméga puissance oméga, pour moi, c'est les suites infinies d'entiers. Donc, nous avons dit ce que c'est que d'être fermé. Un ensemble analytique, s'il est la projection d'un fermé dans le plan. Donc, il y a, ça, c'est mon espace. Il y a un fermé, F, et il y a sa projection. Et ça, c'est un analytique. C'est la projection d'un ensemble fermé dans le plan. C'est des ensembles. Et en fait, ça, c'est plus général que les boréliens. En fait, ce qui est écrit dans la ligne 5, c'est... OK, je vais lire. Analytique, c'est sigma 1,1. Malheureusement, je vous ai dit, c'est le seul slide où il y a la notation. Pi 1,1, c'est les complémentaires. Donc, ça s'appelle les co-analytiques, les complémentaires des analytiques. Et après, on peut prendre des projections des co-analytiques, on obtient sigma 1,2, des complémentaires, projections complémentaires, etc. Et on obtient une hiérarchie des sous-ensembles de X. Et il se trouve que, et j'ai même fait une erreur ici, delta 1,1, j'écris delta 1,n, c'est les sigma 1,n et pi 1,n, et c'est la tribu borélienne dans le cas n égale 1. Je suis désolé, il faut que je corrige ça. Bref, le cas, peu importe, le cas précédent, la tribu borélienne, c'est un fragment, c'est même avant le début de la hiérarchie projective. Et donc, il y a le théorème de Martin, qui a en fait été il a démontré d'abord, mais en supposant un grand cardinal, un cardinal mesurable. Il a montré que s'il existe un grand cardinal, et nous avons déjà dit un peu sur le grand cardinal, tout ensemble analyte... Oh. Je pense qu'il y a... Il manque... Non, il y a une erreur. Supposons qu'il existe un cardinal mesurable, tout ensemble analytique est déterminé. OK, je le corrige. Je suis désolé. Analytique. Écrit détermination analytique, ça va. Hmm? Le titre dit... Oui, mais bon. Okay. On va corriger. Donc, tout ensemble analytique, mais en utilisant un cardinal mesurable, et sans cardinal mesurable, tout ensemble borélien
et bohémien est déterminé. Donc, c'est le résultat est plus faible, mais l'hypothèse est plus faible. L'hypothèse, c'est juste CDC. J'ai presque fini. Mais je vais expliquer qu'est-ce que ça va. Donc, après, il y a eu d'autres résultats. C'est Martin Steele. Il y a des grands cardinaux qui s'appellent des cardinaux de Woodin. Et ils ont montré que, et ça c'était plus tard, dans les années 80, je crois, 86, 8, quelque chose comme ça. Et c'était un des résultats les plus profonds, les plus difficiles en théorie des ensembles. Ils ont montré que tout ensemble projectif est déterminé. C'est-à-dire, si l'ensemble de Gain est un ensemble projectif, donc dans cette hiérarchie que j'ai décrite tout à l'heure, à condition qu'il existe une certains grands cardinaux. Attends, excusez-moi, je ne sais pas. Donc, c'est un grand résultat. Hein. Et puis, pour finir, je mentionne un théorème de Woodin qui va même au-delà. Et donc, cela, ça répond à la question de François. L'action de détermination est consistant avec les autres axiomes, sans, si on enlève l'action du choix. Si on suppose l'existence d'un certain grand cardinal, une infinité de cardinaux de Woodin plus immesurable, alors l'action de détermination est vraie dans le modèle L de R. C'est quoi L de R? C'est le plus petit modèle de la théorie ZF qui contient tous les réels et tous les ordinaux. Il se trouve qu'il y en a un. C'est l'univers constructible à partir de R. OK, donc on peut avoir la détermination, même l'action de détermination entière. On abandonne l'action du choix et on n'est pas dans l'univers entier, on est dans L de. Et c'est une conséquence des grands cardinaux. Et en fait, le lien entre les grands cardinaux est beaucoup plus qu'une implication. En fait, on peut aller dans l'autre sens aussi. On peut construire, c'est pas qu'à partir de la détermination, on ne peut pas montrer l'existence de ces grands cardinaux, mais on peut montrer l'existence des modèles, des modèles qui ont des grands cardinaux. Ce n'est pas l'univers qui a forcément des grands cardinaux, mais il y a des modèles de la théorie des ensembles qui ont des grands cardinaux. Je comprends. Si l'action est vraie dans LR, c'est-à-dire quoi? C'est un théorème dans LR ou voilà? Oui, c'est un théorème. En fait, on appelle ça un axiome, c'est un énoncé. Oui, tout jeu est déterminé. Donc, le théorème dit que s'il y a une infinité de certains grands cardinaux, alors tout jeu dont l'ensemble de Gain et dont L. Et il nous a cassé notre écran. Comment je fais? J'ai déjà vu ça, il y a des gens qui piratent, parce que le lien Zoom est vu par tout le monde, et donc il y en a qui piratent ça pour venir le foutre au bordel. Et donc je fais. Voilà, je suis en train de les supprimer petit à petit, là, en fait. Je suis en train de les supprimer. Vas-y, Mathias. Voilà, j'étais en train de supprimer la. Voilà. Là, il y a beaucoup de monde qui arrive, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah ouais, là on est. C'est les Russes encore, c'est ça. Ouais. Là, c'est compliqué parce que là, il y a beaucoup de monde. Bon, Mathias, la suite repose sur tes. Ah bah évidemment. J'ai mis le lien Zoom sur Internet pour que les gens. Ouais, ça y est. J'ai supprimé. Parce que si y a un mot de passe, on ne sait pas qui est-ce qui peut venir ou non, tu vois, donc on en sort pas. Alors, attends. Maintenant, ce que je vais faire, sécurité. Verrouiller. Voilà.
J'ai verrouillé la réunion. Donc maintenant, il y a 73. D'accord. Voilà, j'ai verrouillé la réunion. Oui, on considère que ceux qui voulaient se loguer étaient déjà logués maintenant. Voilà. Alors, il y a tout sélectionné. Bon, donc tu peux reprendre maintenant. Voilà, c'est bon, tu peux reprendre. C'est une gloire si ma bouffie est piratée, ça veut dire que... On est important, hein. Par les Russes. Ouais, ça veut dire que... On est visible. Ok, donc, pour... qu'est-ce que ça a à voir avec le programme de Gödel? Alors, il se trouve que l'axiome de détermination projective donne une théorie empiriquement complète pour l'arithmétique du second ordre. En supposant des grands cardinaux, c'est-à-dire que, en fait, la seule méthode qu'on a pour montrer les résultats d'indépendance, c'est les grands cardinaux et le forcing. Et la théorie de V oméga plus 1 ne peut pas être modifiée par le forcing si on a suffisamment de grands cardinaux, et elle satisfait l'axiome de détermination. Donc, d'une certaine manière, peut-être c'est trop rapide, c'est une réponse au programme de Gödel pour le niveau oméga plus 1. C'est-à-dire, l'axiome de détermination projective fixe. Alors, c'est pas, on ne peut pas démontrer qu'elle est complète parce qu'il y a toujours l'incomplétude. Mais si on suppose tous les grands cardinaux qui sont consistants, on ne sait pas qui sont, quels sont les cardinaux consistants. Parce qu'en fait, le seul énoncé qu'on ne sait pas décider dans les entiers concerne la cohérence des théories. Ce n'est pas un théorème, c'est empirique, comme je vous ai dit. Donc, et l'autre point, c'est que toutes les théories, la cohérence des théories est mesurée par les grands cardinaux. C'est aussi pas un théorème, c'est juste empirique. Et donc là, je sais que c'est le point le plus délicat et je vais un peu vite. Donc, je l'affirme, mais pour l'expliquer, ça prendrait beaucoup plus de temps. Parce que vous ne voyez pas ça. Et si on fait. Remettre en plein écran, du coup. En plein écran. Ça, c'est mieux. Hein. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ok, donc, d'une certaine manière, ça donne la théorie que nous cherchions, mais en ce qui concerne le fragment, vraiment le premier. Le premier niveau de la hiérarchie cumulative qui est intéressant, qui est V oméga plus 1. Donc, ça revient, ça relie avec la première partie, oui. C'est ce que j'ai essayé de dire. Hein. Les seuls énoncés. Ok, parce qu'il y a des questions qu'on ne. Dans les entiers, si vous dites est-ce que c'est une telle théorie est consistante, cohérente, par exemple, est-ce que la théorie ZFC plus un certain grand cardinal, c'est un énoncé arithmétique, parce que ça concerne, est-ce qu'il y a une preuve de la contradiction dans cette théorie? Une preuve de la contradiction, c'est une suite finie de formules. Les formules, on peut les coder par les entiers. Donc, c'est une suite d'entiers. Est-ce qu'il y a une suite d'entiers qui a certaines propriétés? Donc, c'est une question qui concerne les entiers. La seule question concernant les entiers que nous savons pour l'instant qu'elles ne sont pas démontrables sont celles qui parlent de la cohérence des théories. Ça, encore une fois, ce n'est pas un théorème, c'est juste ce que nous savons pour l'instant. C'est pour ça que je dis empiriquement complet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les grands, on a aussi, pour l'instant, toutes les théories qu'on a, si elles sont consistantes, c'est qu'il y a un grand cardinal. Enfin, on pense que même plus que ça, on pense que
les théories, toute théorie consistante est en fait équiconsistante avec ZDC plus un grand cardinal. Encore une fois, ce n'est pas un théorème, c'est une opinion, si vous voulez, ou un dogme, ou c'est ce que les gens pensent que c'est le. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, et le fait que les grands cardinaux impliquent deux choses, la détermination projective et que la théorie de la de L de R ne peut pas être modifiée par le forcing. Quand on met ça ensemble, on dit que, OK, on pense que c'est la réponse satisfaisante. Enfin, vous pouvez dire, non, moi, je ne suis pas satisfait. Je veux décider toutes les énoncés arithmétiques. C'est légitime parce que, d'ailleurs, la plupart des énoncés en maths sont arithmétiques. Mais disons, du point de vue de théorie des ensembles, la détermination des jeux et les grands cardinaux. Les grands cardinaux impliquent la détermination des jeux qui donne une théorie satisfaisante du point de vue du programme de Gödel pour le niveau V oméga plus 1 ou, si vous voulez, pour l'univers L de R. Si vous voulez aller plus loin, V oméga plus 2, par exemple, c'est le premier niveau, le niveau suivant, les choses se compliquent énormément et on ne peut pas avoir de telles réponses. C'est dont Rahman a parlé tout à l'heure. En particulier, l'hypothèse du continu, on peut pas l'exprimer au niveau V oméga plus 1, mais on peut l'exprimer au niveau V oméga plus 2. Et on sait que le forcing peut changer si on peut faire de sorte que l'hypothèse du continu est vraie ou fausse par le forcing. Donc, il y a, pour, si on veut fixer d'une certaine manière, et là, la question c'est, je l'exprime pas précisément parce que je suis obligé de faire beaucoup de formules. Mais intuitivement, si on veut fixer la théorie de V oméga plus 2, ça, on ne peut pas le faire de la même manière que ce qu'on a fait pour V oméga plus 1. Et donc, c'est un sujet de recherche actuel en théorie des ensembles, notamment par une approche, c'est par les actions de forcing. C'est un peu, je me réfère à l'exposé de Rahman. Il y a des tentatives, mais dans chaque tentative, il y a certains paramètres qu'on met et si on joue avec des paramètres, on obtient des formulations différentes, incomparables. Donc, ce n'est pas évident comment choisir. Il y a certains résultats, mais c'est trop technique pour le dire maintenant. Donc, on est loin de répondre au programme du Gödel. Et même, je ne sais même pas, et je crois que Joël va en parler. Il pense qu'il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas une bonne approche. C'est légitime. Mais donc, on peut imaginer qu'il y a, on trouve certaines façons de compléter la théorie de V oméga plus 2, V oméga plus 3, etc., et finalement de tout l'univers. Mais on en est loin. OK. C'est Logic Comics. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est marrant et c'est même, vous allez apprendre des choses. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci énormément, Boban. Cet exposé était encore une fois vraiment très adapté à cette nouvelle ici. Et, tu nous as expliqué des idées très profondes d'une façon, qui nous a laissé croire que nous avons tout compris. Peut-être juste pour commencer, je vais te poser une question qui peut-être un peu technique, mais quand même, dans la hiérarchie des grands cardinaux, il y a un cardinal qui était proposé et qui était montré ne pas être cohérent avec l'action de choix, c'est-à-dire l'action de Reinhardt. C'est Kuhnen notamment qui a montré ça avec un théorème célèbre. Mais aujourd'hui, on se dit d'accord, mais on va voir est-ce que cet axiome il est cohérent. Est-ce qu'on peut avoir des axiomes encore plus forts que ce Reinhardt cardinal si on se borne seulement en ZF? Et ma question, c'est qu'est-ce que ça donne pour l'action de détermination? Est-ce que, en fait, si tu as un Reinhardt cardinal, est-ce que tout est déterminé?
Ah, est-ce que l'Einheit cardinal implique l'action AD? Ah, pour l'instant, c'est pas parce que ça se trouve qu'il implique 0 égale 1. Dans ce cas, il implique. Non, on n'applique pas 0 égale 1 si on tu n'as pas. Pas de choix. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Il se peut que Reinhardt. Il se peut, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mais donc, on pourrait quand même avoir. Peut-être quelqu'un fait la preuve que ça implique AD. Ok. Est-ce qu'il implique AD? Enfin, il implique au moins sûrement la détermination de L de R, toutes les déterminations qu'on sait, mais ce qu'on implique, je ne sais pas. C'est difficile de travailler sans l'axiome. Oui, moi, je ne suis pas spécialiste dans la théorie des ensembles sans axiome de choix, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui... Oui, en fait, il faut du courage pour étudier les grands cardinaux incompatibles avec l'axiome du choix, parce que là, ça se trouve que ça va collapser, enfin, tout va disparaître, c'est un contradictoire et vous allez passer 20 ans de votre vie à étudier quelque chose qui s'avère inconsistant. Mais ça se trouve pas, donc on ne sait pas. Hein. Il nous faut des gens qui ont du courage de chercher des théories des grands cardinaux au-delà de l'action du choix. Donc je ne sais pas, hein. Je n'ai pas vraiment étudié beaucoup le... Les grands cas, comme tout le monde, c'est parce que c'est, tu mets ta carrière en danger. Oui, mais les jeunes sont peut-être plus plus courageux et aussi peut-être plus naïfs. Il ne faut pas leur dire. Hein. Voilà, est-ce que François, tu as une question? Oui, c'est simplement une question de compréhension. Est-ce qu'au bout du compte, l'axiome de détermination, c'est une conjecture, en fait? Ok, quand on dit un axiome de quelque chose, ce n'est pas un axiome comme les autres, c'est un énoncé. Donc, c'est comme une conjecture. Comme une conjecture. Mais malheureusement, en théorie des ensembles, toutes les conjectures, c'est la réponse est, quand tu dis est-ce que la détermination projective est vraie ou fausse, la réponse est ça dépend. Donc, la réponse est toujours ça dépend. Ça dépend dans quel univers on est, est-ce qu'on a des grands cardinaux, etc. Donc, si on prend la détermination projective comme énoncé, c'est une conséquence des grands cardinaux. Donc, les axiomes des grands cardinaux impliquent la détermination projective. C'est un théorème. Maintenant, la question est, OK, et les axiomes des grands cardinaux? Ben, on pense qu'ils ont un statut un peu différent. Donc, on pense qu'ils sont vrais. Alors, ce qui les rend plus crédibles, c'est que pour l'instant, c'est une hiérarchie totale. Et d'ailleurs, ce n'est pas un théorème, c'est un feeling. Et en plus, quand on dit c'est pas un théorème, c'est que même on n'a pas de définition de ce que c'est qu'un axiome de grand cardinal. On a des exemples. Il y a eu des tentatives. On peut s'amuser à artificiellement dire un axiome de grand cardinal, c'est un énoncé qui dit quelque chose de ce genre. Mais pardonne-moi, les axiomes des grands cardinaux, pour autant que je les connaisse, s'ils ont souvent la forme, il existe. Il existe un cardinal inaccessible. Exact. L'axiome de détermination ne se présente pas comme ça, puisqu'il présente tous les jeux. Oui. Patata sont déterminés. Donc on a oui, exact. Donc plutôt une conjecture. Enfin, il n'y a pas la figure existentielle qu'un axiome qui, en général, postule une existence. Mais les grands cardinaux sont des objets énormes. Non. Et ça, les déterminations de jeu, c'est concernent des ensembles de réels, de suites infinies. Donc, c'est une implication directe. C'est un théorème que les grands cardinaux, certains grands cardinaux, impliquent la détermination. Donc, c'est vrai, l'énoncé de détermination, c'est très compliqué. Il dit, pour tout ensemble projectif, l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante, etc. Blablabla, c'est compliqué. Mais on les démontre directement. Donc, en fait, je pense que ce que tu dis, François, c'est que tu trouves que si on a l'espoir qu'un axiome soit quelque chose de naturel, ça doit être en énoncé, il existe quelque chose. Donc, voilà, et que la complexité de l'axiome de détermination est un peu trop
Il est complètement orthogonal. Mais si on voit, quand je vous ai écrit la preuve de Morgenstern von Neumann de la détermination, c'est une loi logique. Il dit pour tout X, non, il existe. C'est la même chose que pour tout, non. Je peux entrer avec la négation de don et les quantificateurs changent. C'est la détermination des jeux. Sauf que là, on parle des suites infinies de quantificateurs. C'est ça qui complique les choses. Deuxième question qui n'a peut-être rien à voir, pardonne-moi. Est-ce que ça aurait à voir avec les surréels chez Conway, qui se présentent aussi un peu comme un jeu, enfin dans une certaine interprétation, évidemment qui est infini, non seulement infini, mais infiniment infini, etc. Est-ce qu'il y a une connexion formelle quelconque entre cette présentation des surréels et nos jeux infinis C'est pas, j'ai pensé à ça. Non, en fait, les jeux de Conway sont des jeux qui se terminent au bout d'un nombre fini d'étapes, mais on ne sait pas combien. Ce sont en fait les jeux de forme de Gayle Stewart. Donc, ils sont tous déterminés, on n'a pas besoin de grands cardinaux. Donc, là, je parlais des surréels. Oui, dans les surréels. Les surréels, ce n'est pas infini, puis tu peux aller aussi loin que tu veux, mais ça se présente comme… on peut les voir comme des jeux. Oui, c'est ça. Et on peut, mais ces jeux-là, les jeux de Conway, sont les jeux de Gayle Stewart. Donc, c'est le cas le plus simple. C'est les jeux qui sont… L'ensemble X, il est énorme. L'ensemble de coups, il n'est pas 0,1, ou il n'est même pas les zones, il est énorme. Mais les jeux sont fermés au sens de que, en fait, le match est potentiellement infini, mais à un moment fini, on sait qui a gagné. Oui, en fait, c'est même plus que fermé, ils sont ouverts, fermés. Mais on sait que les jeux vont être, à un moment fini, va être terminé, mais on ne sait pas quand. On n'a pas, pour montrer la détermination des jeux de Conway, c'est facile, hein, on n'a pas besoin d'un grand cardinal. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'il y a une alternance infinie de quantificateurs. Enfin, ça, c'est compliqué. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'était possible, bon, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, mais c'était possible d'avoir une extension complète de ZFC. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est ce qu'on aimerait, mais on sait que ce n'est pas possible. Donc, on essaye de contourner le problème. Ah, mais ce n'est pas possible, du coup, d'avoir une extension qui est complète. Ah, si, on peut avoir. On peut toujours compléter, mais le problème est qu'on ne peut pas la reconnaître. Hein. Oui, voilà, d'accord. Mais du coup, pourquoi on ne pourrait pas avoir, par exemple, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un recouvrement avec des théories axiomatisables de la théorie qui vous est En fait, on peut toujours compléter, on peut dire, comme ce que j'ai dit, c'est pas formellement, on peut dire, écoutez, il y a l'arbre que Rahman avait dessiné, donc on fait la liste de tous les énoncés, et chaque fois qu'on c'est un énoncé indécidable, on met une branche, et puis bon, on choisit une branche infinie, et donc ça donne une théorie complète, qui complète nos théories de base, par exemple ZFC. Donc on peut faire ça, mais c'est je ne sais pas, ce n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire, on veut… Donc, le critère d'accepter un axiome, ce n'est pas seulement que ça soit cohérent. On veut quelque chose de plus. Donc, il y a un côté qui n'est pas purement mathématique. Il faut justifier ces axiomes. Après, les axiomes des grands cardinaux, on peut les justifier d'une certaine manière. La détermination, on peut le justifier parce que c'est équivalent, si on n'aime pas, parce que c'est trop compliqué, logiquement. C'est très étroitement lié avec des grands cardinaux. Donc, c'est des conséquences des grands cardinaux. Et dans l'autre sens, avec la détermination, on produit des modèles de ces grands cardinaux. Donc, c'est équiconsistant, ce qu'on dit avec certains grands cardinaux. Donc, on peut dire, on peut l'accepter, parce qu'on accepte les grands cardinaux. Pour les autres, je ne sais pas, il y a des critères qu'on peut s'imposer, mais ça, il y a un côté philosophique. Il faut justifier ces critères. Hein. Et j'espère que Joël va nous parler de ces critères. En fait. C'est une autre vision. Oui, il me semble que derrière tout ça,
il y a un présupposé qui n'est jamais explicité, ouais, qui consiste à se dire que, au fond, il y a un monde mathématique qu'on est en train d'essayer de découvrir. Exact. Et donc, l'arrière-pensée, c'est de toute façon l'hypothèse du continu, elle est vraie ou elle est fausse. Dans ce monde mathématique. Ouais. Bon, mais on n'est pas obligé d'adopter ce point de vue. On pourrait très bien se dire, bah, il y a autant de mondes mathématiques que vous voulez. Il y en a où l'hypothèse continue est vraie, il y en a où l'hypothèse continue est fausse. Et ça n'empêche pas les habitants de ces divers mondes de faire deux choses. Donc, pour toi, tu es sur l'idée qu'il y a un monde mathématique qu'on essaye de découvrir et que dans ce monde, l'hypothèse continue est forcément soit vraie, soit fausse. Ouais, non, moi je pense qu'elle est fausse. Mais Joël va dire l'inverse. Enfin, Joël va dire qu'il n'y a pas un seul univers. Donc. Ah bon, d'accord. Donc, autant prendre. Je ne vais pas prendre la même position que lui. Donc. D'accord. Mais tu es d'accord avec l'idée qu'au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de découvrir les propriétés d'un monde mathématique qui est qu'on aimerait avoir. Exact. Ah, c'est pas qu'on aimerait. C'est plus que ça. C'est oui, exact. Le vrai. Hein. Oui. Mais tu as raison. C'est une opinion. C'est pas un théorème. L'autre chose que je voulais dire, c'est que tu as dit que bon, construisait ces grands cardinaux dans le but d'avoir la possibilité de décider, entre guillemets, de plus en plus dénoncer. Qui sont a priori indépendants de ZFC. Et on cherche à avoir des théories plus grandes dans lesquelles ces énoncés. Mais il y a une façon très simple d'avoir une théorie. Et pour tout énoncé, il y a une théorie qui est en ZFC et qui va le rendre vrai. Il suffit d'en rajouter l'énoncé lui-même. Donc il faut chercher. Alors évidemment, dans la description, on peut décider tout ce qui est au niveau de l'oméga plus 1. Mais sinon, il y a une idée naïve, c'est pourquoi vous vous fatiguez avec les grands cardinaux. Tout ce que vous voulez décider, vous le rajoutez, vous avez une théorie. Les gens ont écrit des livres là-dessus, oui, oui. Des philosophes, comment choisir les axiomes, voilà. Pourquoi un critère et pas un autre, je ne vais pas rentrer dedans. Mais oui, donc on peut dire. C'est pour ça que c'est un sujet pas purement mathématique. Je peux compléter par deux choses très courtes, c'est des questions bibliographiques. Le logique comique, on peut parler, il faut dire qu'il existe une traduction française qui est assez bien faite et chez Hubert, ce qui porte le même nom, logique comique. Et le problème de la barre de chocolat est donné dans un très bon livre de Almos qui s'appelle Problems for Mathematicians Young and Old, et qui est traduit en français Problème pour mathématiciens petits et grands, qui est chez Cassini, et qui a la particularité de comporter des problèmes qui vont du problème élémentaire que peut résoudre un élève de collège ou d'école primaire à des problèmes très difficiles pour lesquels il faut des connaissances au moins universitaires. Et c'est un très joli recueil de problèmes avec toutes les solutions. Et donc, il est aux éditions Cassini et il présente ce problème de barre de chocolat. Et ce que je voudrais, pour terminer en m'excusant des plombs, c'est dire que ce problème de barre de chocolat, en fait, il n'y a pas de stratégie gagnante jamais parce que c'est impossible de détacher correctement. dans la vraie vie. Alors, pour le rendre possible, il faut remplacer la barre de chocolat par une planche de thym. Et là, c'est facile. Ouais. D'accord. Mais je voudrais juste ajouter une chose sur ce qu'a dit René, parce qu'on parle de la bibliographie, et je voudrais vous dire qu'il y a un livre assez intéressant au sujet de l'histoire de Morgenstern et von Neumann, comment ils ont eu l'idée de parler des jeux. Et en fait, il y avait un mathématicien, Emmanuel Lascar, qui était mathématicien, qui cherchait un emploi comme mathématicien, qui n'a pas trouvé. Il était assez discriminé à l'époque, il était juif. Et il a commencé à jouer à des échecs. Et il était un grand joueur des échecs. Il était un champion du monde pendant, je ne sais pas, 20 ans peut-être. Et c'est lui qui a écrit le premier livre
qu'elle s'est concentrée sur les échecs, mais il a vraiment parlé des stratégies, des choses comme ça. Et il y a un livre qui est sorti qui est un essai, donc essai, une biographie de von Neumann et Wolgenstein, qui explique combien ils ont été influencés en fait par ce travail de Lascar. Donc peut-être ajouter à la bibliographie de que vient de dont tu viens de parler. Hein. Ah. Il avait une autre question. Oui, j'essaie de changer le temps. Parce que le fait qu'il y a tout ce problème en montant un V, oméga plus 1, tout ce travail énorme, et puis la question si difficile de monter en cœur de Michel, mais c'est lié évidemment au sens que les réels, ils apparaissent essentiellement à ce moment de... Oui, à l'étape oméga plus 1. Vraiment, là, en train de la continue. Puis alors, ce serait les parties réelles et les parties réelles. Alors, hypothétiquement, si jamais... avec beaucoup de travail, on arrivait à faire quelque chose, avec des idées qu'on ne connaît pas, V oméga plus 2, V oméga plus 3. Est-ce que cela devrait suffire hein, avec seulement enfin, des oméga chez les virons, je crois qu'il n'y a aucun chemin. La deuxième chose que je veux dire, c'est, ajoutant à ce que vous avez rien de dire, la prochaine fois, ils vont enlever de la barre de chocolat et faire le jeu. Faire jouer. Ah, il faut amener le chocolat et faire jouer. Ok, c'est très bien. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question un peu naïve sur l'hypothèse du continu, mais on dit, bon, est-ce que R, le continu, c'est à LF1 ou bon, si ça ne l'est pas, on ne discute pas de savoir si ça peut être à LF2, à LF3, etc. C'est-à-dire si on peut... Si, c'est à LF2, on sait. C'est-à-dire, ce qui est curieux, c'est qu'on le présente souvent comme une alternative, soit si elle est fin, soit on prend ce qu'on veut. Non. Et je me demande s'il y a des théories qui essayent de dire non. Mais d'accord, en fait, c'est pas les fins. Je me souviens des théorèmes qui étaient mentionnés aujourd'hui dans l'exposé de Rahman, que Corbin et Stéo, Corbin plutôt, ont démontré que la proper force et action qui est faite implique que le continu est égal à l'électeur. Donc, tout ces qu'est-ce qui le démontre après, j'ai pas compris. Que la continue est à l'électeur. Oui, mais c'est démontré comment? Si quoi? Si ouais. Il y a une action de forcing qui est donc ah. Tous les actions de forcing, sauf l'action Martin action, mais tous sont plus. Après qu'il est à l'électeur, c'est tout ça. Oui, c'est. Mais c'est. Ok, tu étais un peu à la fin, peut-être. Il allait aller un peu vite sur ça. Donc, oui, il y a des valeurs que 2 puissance à 0 ne peut pas prendre. Comme à l'alpha oméga. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Oui, d'accord. Ça peut être l'alpha oméga. Ah, il y a quelque chose. Oui, donc Joël, il est prêt là. Il ah, ok. Peut-être on va terminer. Non, il avait une question ici. Excusez-moi. Oui, désolé, du coup, je vais poser rapidement. J'ai une question plutôt technique. On a considéré plein de fois les implications de Higgs si on a les propriétés de notre univers, si ça contient certains points pertinents. Alors, il y a certaines classes de parties de règles qui sont déterminées. Est-ce qu'on peut aller dans le sens inverse en disant qu'on ne connaît pas l'univers? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'ensemble des parties déterminées, juste en général, ça forme quoi? Ça forme. Si A est déterminé, le complémentaire de A est déterminé, mais je n'ai pas trouvé plus que ça. Oui, en fait, on peut. Oui, mais ça va me prendre trop de temps. Est-ce qu'on peut en parler après? Parce que là, c'est déjà pour introduire des choses, ça prend 5 minutes. On peut poser des questions, mais il faut tourner un tout petit peu pour lui donner un sens. En fait, ceux qui veulent se retrouver après 18 heures, bien sûr, vous pouvez aller prendre un verre. Mais, juste, je dois dire qu'ici, on doit absolument finir et partir à 18 heures. Et c'est pour ça que nous sommes un peu conscients de temps. Voilà, comme on a un exposé très intéressant, on va remercier Boba. Changer et on va pas faire